Alors, Monsieur le témoin, je vais simplement vous rafraîchir la mémoire sur les personnes qui étaient présentes, ce que vous avez dit au bureau du procureur. Alors, on vous a questionné, quand on vous a questionné sur les gens qui étaient présents, et je fais référence à 0063-1377, à la page 1395, je fais référence aux lignes 669 à 672 pour le dossier. Alors, je cite, monsieur le témoin, l'intervieweur vous a posé la question, d'accord, et je cite, d'accord. Et donc, dans cette chambre, qui était réuni? Votre réponse, 670, et je vous cite, dans cette chambre, il paraît qu'il y avait le camarade Charles Blégoudé, Dacoury Richard, Di Beaupieu, le maréchal Cabé, Damana Picasse, Annie Tchellé. Est-ce que ce sont bien les personnes qui étaient présentes d'après l'information que vous a été rapportée, que vous avez su? Alors, brièvement, Monsieur le témoin, avant d'aborder un autre sujet, j'aimerais ça qu'on regarde une vidéo ensemble. Ça ne devrait pas durer très longtemps, mais c'est simplement pour que vous regardiez. Je vais vous poser quelques questions sur les personnes qu'on voit dans la vidéo et sur le sujet de la vidéo. Un instant. Alors, je ne sais pas si vous voyez quelque chose à l'écran, mais c'est à EVD 2. Simplement, si quelqu'un pourrait aider le. If we could help the witness. Monsieur Garcia, est-ce qu'on pourrait aider le témoin, s'il vous plaît? La vidéo. Merci. Monsieur le Président, Yes. on n'a pas la Président, oui. on n'a pas la référence de la vidéo. La vidéo, c'est l'onglet I 70. guess it will Le Président, vous allez la voir tout de suite. La vidéo, c'est l'onglet 70. C'est CIV OTP 00810338. Le transcrit se trouve à l'onglet 109, il s'agit de CIV OTP 00940072. Alors, en ce qui concerne les minutes qui vont être jouées, nous allons commencer à 25 et 10 pour en finir à 25 44. Can we have also Le Président, est-ce qu'on pourrait avoir une date également pour cet extra vidéo? The date would be November 2000. Monsieur Garcia, novembre 2002, Monsieur le Président.
J'ai envie de dire, après ce que vous venez de faire, quoi maintenant? J'ai été nommé général du camp de libération de la Côte d'Ivoire au nom de la jeunesse qui est ici réunie, l'Alliance de la jeunesse pour le sursaut national. Et nous disons aux jeunes gens qui sont sortis ce matin, il faut accepter de mourir. Alors, on a arrêté à 27, 25, 28, 02. La personne qui est à l'écran, est-ce que vous êtes en mesure de l'identifier? Connaissez-vous cette personne ou savez-vous de qui il s'agit? Oui, il s'agit du camarade Dakoury Richard. D'accord, nous allons continuer. Autre image, arrêt image sur 25, 29 et 24. La personne à l'écran, est-ce que vous êtes en mesure d'identifier, monsieur le témoin? Oui, monsieur Thierry Légré. La belle mort dont on peut mourir, c'est de mourir pour sa patrie. C'est un message fort. Ce sera le mot de la fin. Nous avons... Alors, arrêt sur image à 25, 36, 14. Est-ce que vous reconnaissez cette personne, monsieur le témoin? Oui, monsieur Jean-Yves Dubopieux. Et nous continuons. C'est un plaisir à vous avoir sur ce plateau. La Côte d'Ivoire. Alors, cette dernière personne à 25, 38, 13, est-ce que vous êtes en mesure de l'identifier? Oui, monsieur Serge Kassi. Alors, cette vidéo, je comprends qu'on vous a joué un très petit extrait. Est-ce que vous avez un souvenir quelconque de l'avoir vu auparavant? Oui. Dans quelles circonstances? Est-ce que vous vous rappelez? Je pense bien que c'était le... 2 novembre, ou bien ce que je suis, c'est que c'est en novembre 2002, on a appelé les jeunes à sortir massivement pour le sursaut national. Sortir massivement à la place de la République pour le sursaut national, je pense bien. Il faut accepter de mourir d'une belle mort. La belle mort dont on peut mourir, c'est de mourir. Alors, monsieur le témoin, juste une dernière image dans cet extrait à 25 32 09. Est-ce que vous êtes en mesure d'identifier la personne qu'on voit sur arrêt image? Oui, monsieur. C'est monsieur Konaté Navigué. Alors, vous avez parlé du sursaut national. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement de quoi il s'agissait? La Côte d'Ivoire a été attaquée le 19 septembre 2002. Et l'appel de la jeunesse patriotique, c'était d'amener tous les jeunes à sortir les mains nues pour annihiler toute velléité sécessionniste des différents de la rébellion, et amener la jeunesse à être motivée, à être déterminée à se surmonter, ne pas avoir peur de la mort pour affronter, pour faire reculer la rébellion. Et les gens sont sortis?
Oui, massivement. Alors, avant de passer à un autre sujet, Monsieur le témoin, je vais simplement faire un autre arrêt sur image dans cette même vidéo pour des fins d'identification, si vous êtes en mesure de les faire. Mourir pour sa patrie, c'est un message fort. Merci, ce sera le mot de la fin. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous avoir sur ce plateau. La Côte d'Ivoire a besoin de ses forces vives. Nous avons besoin de tous. Bonsoir et que Dieu bénisse notre pays. Alors, vous voyez devant vous à l'écran un arrêt image sur 25-45-02. Alors, je vais vous demander d'identifier les personnes qui entourent M. Charles Blégoudé. Si on commence à la gauche, votre gauche, la personne qui porte une casquette avec une chemise avec une rayure blanche, est-ce que vous êtes en mesure d'identifier cette personne? Oui, M. Jean-Yves Dubopieux. Alors, si on continue de gauche à droite, la personne qui est juste à l'arrière, est-ce que vous êtes en mesure d'identifier cette personne? Oui, M. Thierry Joël. Alors, qui est cette personne? Est-ce que vous avez parlé d'un Thierry Joël, si je comprends bien? Thierry, T-I-E-H-I, Joël, J-O-E, umlaut, ou bien tréma, L. Thierry Joël était un joueur vedette de la Côte d'Ivoire. Alors, un joueur vedette de foot, si je comprends bien? De football. Alors, on va continuer encore de gauche à droite. L'autre personne qui est juste derrière, M. Charles Blégoudé, est-ce que vous êtes en mesure d'identifier? Oui, M. Richard Dakoury. Et finalement, la dernière personne à votre droite extrême? M. Thierry Légré. Alors, Monsieur le témoin, nous allons changer de sujet pour l'instant. Est-ce que le Baron Bar, ça vous dit quelque chose? Oui. Avez-vous déjà assisté à des meetings au Baron Bar durant la crise post-électorale? Oui. Alors, j'aimerais ça que vous nous en parliez. C'est de façon vaste parce que de façon régulière, nous organisons des meetings là-bas. Est-ce qu'il y a eu un des meetings qui a été plus significatif que les autres pour vous durant la crise post-électorale au Baron Bar? Tous les meetings du Baron Bar sont significatifs, monsieur. Veuillez m'excuser, mais tous les meetings sont significatifs. Est-ce qu'il y a eu, à votre connaissance, des meetings au Baron Bar, et je vous parle, où M. Charles Blégoudé aurait fait des discours, à votre connaissance? Le Baron Bar, c'est un lieu où nous organisons tout le temps nos meetings. Donc, M. Charles Blégoudé a organisé plusieurs fois des meetings au Baron Bar.
Alors, qui organisait ces meetings au bar en bar durant la crise post-électorale? Au Baromba, tout le monde organisait les meetings, hein. Même nous-mêmes. Et le COGEP organisait, lui au COGEP, tous les mouvements patriotiques, chacun organisait son meeting pour montrer, pour donner un message particulier à ses différents militants. Et vous, personnellement, à combien de reprises est-ce que vous êtes allé assister à des meeting ou bar en bar, alors que M. Blégoudé était présent et avait fait un discours? Normalement, j'ai assisté à tous les meetings. Je ne pourrais pas donner le nombre de meetings organisés, mais j'ai assisté à presque tous les meetings du général. Simplement pour que ça soit clair au dossier, monsieur le témoin, quand vous dites que vous avez assisté à tous les meetings du général, est-ce qu'on parle bien du monsieur Charles Blégoudé? Oui. Alors, lorsque vous êtes allé à ces meetings ou bar en bar dans lesquels M. Charles Blégoudé faisait des discours, de quoi, qu'est-ce qu'il disait au juste? Monsieur, chaque meeting a un objectif bien précis. Quand il nous convie à un meeting, il nous donne l'objectif pour lequel il nous a conviés. Et à chaque meeting, il y avait un discours bien précis pour chaque meeting. Et il y avait un objectif bien précis à atteindre pour chaque meeting. Alors, monsieur le témoin, je vais montrer une vidéo. D'accord? Et par la suite, je vais vous poser des questions sur cette vidéo. D'accord? Il s'agit de CIV OTP 0064-0087 à l'onglet 49. Et le transcrit se trouve à CIV OTP 0063-2998. C'est de 3001 à 3002, ligne 49 à 69, c'est l'onglet 46. Alors, les minutes qu'on va jouer de cette vidéo sont les minutes 13:44 à 15:15. We seem to be have a technical issue. We don't have sound. Monsieur Garcia, nous avons un problème technique. Il n'y a pas de son. Should be fine now. Greffier d'audience, ça devrait fonctionner maintenant. D'Ivoire. À travers
Alors, nous avons le son, paraît-il. Nous allons procéder maintenant. Une assemblée générale extraordinaire de l'Alliance des jeunes patriotes réunis au grand complet a tiré les conclusions et annoncé une série d'actions dont l'objectif ultime est la chute dans un délai d'une du kyste insurrectionnel logé au Golf Hotel. Dès maintenant, l'ordre que je vous donne et qui doit être valable dans tous les quartiers, c'est que quand vous retournez dans vos quartiers, vous devez empêcher l'ONUCI de circuler. Un. Deuxièmement, en retournant dans vos quartiers, vous devez contacter les présidents des quartiers. Vous devez vous réunir pour savoir et vérifier les entrées et les sorties de vos quartiers et dénoncer toute personne étrangère qui vient dans votre quartier. Pendant une semaine donc, l'opération va s'organiser pour Charles Blégoudé. La délicatesse d'une telle action s'impose dans la mesure où le piège de la guerre civile doit être absolument évité. Avant une semaine, le temps qu'on s'organise réellement dans les quartiers, véritablement, et que notre système soit rodé, et qu'on sait qu'à Yopougon, derrière nous, il n'y a pas d'affrontement, et qu'on sait qu'à Kumasi, derrière nous, il n'y a pas d'affrontement, et qu'on sait que tous les groupes ont été organisés, et qu'on sait qui peut faire quoi et qui doit faire quoi, avant une semaine, je vais vous appeler devant le Golf Hotel. Le président, cela n'a pas été interprété. Yes. It's already submitted on record with the transcript, Your Honor, but we can obviously replay. Monsieur MacDonald, cela a déjà été transmis au procès-verbal avec la transcription. Nous pouvons bien entendu faire rediffuser l'extrait, si vous le souhaitez, avec la transcription. Mais ça a été montré, si je ne m'abuse, le dernier témoin. Montré au dernier témoin qui a déposé. Mais enfin, nous sommes entre vos mains pour cela. L'ONUCI. Yes, if possible. Le président, nous allons rediffuser, sinon ce sera difficile. Les interprètes ne trouvent pas l'extrait concerné, ils font des signes dans ce sens. I will let, Monsieur MacDonald. Est-ce que vous pourriez gentiment répéter la référence? Monsieur MacDonald, oui, nous avons donné toutes les références, mais le problème, c'est que nous devons fournir, lorsque nous le pouvons, l'ordre dans lequel les extraits vont être présentés et la transcription. Il y a un problème à cet égard et nous essayons de le régler avec le service de la Cour. Nous pouvons envoyer la référence ERN de la transcription de manière à ce qu'il puisse le retrouver dans dossier que nous leur avons fourni. Le président, est-ce que vous l'avez envoyé maintenant, le greffier d'audience? J'ai envoyé 00-63-29-98. Est-ce que c'est bien la bonne transcription? Cela a été renvoyé, pardon, à l'interprète, aux interprètes. Le président, est-ce que nous pouvons continuer? Eh bien, allons-y. Extraordinaire de l'Alliance des jeunes patriotes réunis au grand complet a tiré les conclusions et annoncé une série d'actions dont l'objectif ultime est la chute dans un délai d'une du kyste insurrectionnel logé au Golf Hotel. Dès maintenant, l'ordre que je vous donne et qui doit être valable dans tous les quartiers, c'est que quand vous retournez dans vos quartiers, vous devez empêcher l'ONUCI de circuler. Un. Deuxièmement, en retournant dans vos quartiers, vous devez
contacter les présidents des quartiers. Vous devez vous réunir pour savoir et vérifier les entrées et les sorties de vos quartiers et dénoncer toute personne étrangère qui vient dans votre quartier. Pendant une semaine donc, l'opération va s'organiser pour Charles Blégoudé. La délicatesse d'une telle action s'impose dans la mesure où le piège de la guerre civile doit être absolument évité. Avant une semaine, le temps qu'on s'organise réellement dans les quartiers, véritablement, et que notre système soit rodé, et qu'on sait qu'à Yopougon, derrière nous, il n'y a pas d'affrontement, et qu'on sait qu'à Kumasi, derrière nous, il n'y a pas d'affrontement, et qu'on sait que tous les groupes ont été organisés, et qu'on sait qui peut faire quoi et qui doit faire quoi avant une semaine. Je vais vous appeler devant le Golf Hotel. Alors, monsieur le témoin, vous avez vu l'extrait. Étiez-vous là lorsque ce discours a été prononcé par monsieur Blégoudé? Oui. Your Honor, I'd like to ask to adjourn at this point. Monsieur Garcia, j'aimerais qu'on lève la séance à ce stade. I'd like to embark on a... Parce que j'ai plusieurs questions à poser et étant donné la nature des questions, je crois que nous n'aurons pas assez des 3 minutes qui restent. Le président, très bien. Alors nous allons faire la pause maintenant. Nous revenons à 11h30 pour la deuxième session de 2h jusqu'à 13h30. Merci. L'audience est levée.